Allez, Damon. Réveille-toi. Damon. Merde, il s'est encore passé. Il est parti accomplir le sacrifice. Je suis désolée, j'ai pas pu refuser. Il aurait su pour la veine de Vénus si je l'avais pas fait. Pas fait quoi? Klaus m'a obligé à l'appeler pour l'attirer dans un piège. Il lui fallait un autre vampire. T'as appelé qui? T'as appelé qui, Catherine? C'est moi qui l'aurais dû prendre. Pourquoi il m'a pas pris? C'était impossible. Selon lui, si tu n'es pas mort, c'est tout comme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire? C'est quoi, ça, Damon? Une morsure de loup-garou. Alors c'est à ça que ça ressemble, une morsure de loup-garou? Ouais. Ça a pas l'air si moche. Pour l'instant. Alors c'est fini? Tu vas mourir? Ça dépend. Tu connais un antidote? Moi non plus. Ça fait 45 ans qu'on se connaît. Et pas d'adieu. Tu mérites pas d'adieu. Attends, ne pars pas fâché. Me réconcilier avec toi, c'est pas dans le top 10 des choses que je veux faire avant de mourir, Catherine. Klaus m'a obligé à appeler Jenna pour la tirer dans un piège. Je pouvais pas faire autrement, j'avais pas le choix. Je t'ai donné de la veine de Vénus, donc tu avais le choix. C'était elle ou moi. J'ai choisi Jenna. Je suis venu à ton secours. T'avais une dette envers moi que t'as pas honorée, mais tu seras libre quand on aura tué Klaus et la tante d'Elena mourra. Bizarrement, tu seras la seule gagnante dans l'histoire. Comment ça a pu arriver? J'ai pas laissé mes sentiments m'aveugler. Qu'est-ce que tu vas t'amuser toute seule pendant l'éternité? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais proposer à Klaus de m'utiliser pour le sacrifice. Il ne voudra pas t'échanger contre elle. Il a vu l'état de ton bras, il a dit que ton sang était devenu impur. Je suis navrée, Damon. Mais tu ne pourras pas empêcher que Jenna meure ce soir.